Et salut à tous, c'est Trunk, on se retrouve dans Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Et c'est super, voilà. J'espère que vous allez bien, moi ça va, ça va. Alors ça fait quoi, les masques à gaz? Non, ah bah d'accord, oui, ok, la FOB. Ah oui, j'ai déjà des trucs. Tout va bien. J'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va, j'ai quasiment fini le jeu sur... Enfin, j'ai fini le jeu sur console. Je suis en train de le clean, genre j'essaie de faire le 100%. C'est compliqué, mais je vais bien finir par y arriver. Voilà. On va appeler l'hélico T-Suite. Parce qu'on n'a pas le temps. Ah, j'aime bien quand je vois une cinématique comme ça qui pop. Serait-ce la bonne? Serait-ce celle que j'attends depuis un moment? Ah! Ah, pas mal. Celle-là aussi est bien. Weather surveillance indicates turbulence up there. Try not to get knocked out of the sky. Got it. Il a repéré quelque chose. Quiet. Mais non, c'est le cheval. You want to head out with the boss? That'll be the day. I don't see a problem with it, as long as she's with you. She's a crack shot, damn fine scout. Well suited for a clandestine op. Just more than I can say for. Il y a quand même un sacré pif, Slot. Thing. Here. Hey. Blades. Et cette scène-là est stylée. Wait a minute, that thing cost a lot of money. Rien que pour la pose qu'elle prend. Elle a raté toutes les pales. Non, non, elle a tiré entre les pales. She can see each individual blade and her depth perception. One in. This is ridiculous. She doesn't talk. How could you possibly stay in communication? C'est pas faux. I like working solo anyway. Elle roule moins du cul que Meryl hein, quand même. Alors on peut dire elle est à moitié à poil, mais elle roule quand même vachement moins du cul que Meryl. Ce qui est appréciable. Enfin. Chacun son truc. Ah, on va avoir peut-être des cassettes à lire. Génial. Génial. Non, pas de cassette. Cassette. Ah, pas de cassette jaune, donc c'est bon. Ouais, on s'en branle. Eh oui, mais ça, c'est parce que voilà, je suis le boss. Alors, le Burkov, pour l'instant, on va rien. Ah, le leurre. On verra plus tard. Alors, au niveau des missions, on a plusieurs missions principales, notamment renfort et repli qu'on va faire maintenant parce que c'est la plus chiante que j'ai à faire. Autant la faire tout de suite. Mission accepted. Et, eh ben, c'est parfait, on va aller là. On va aller là, puis on va attendre. Ça va être génial. C'est la meilleure mission du monde. Du coup, bah pour l'instant, j'ai que Dior sans coéquipier, donc j'ai pas trop le choix.
Arme de soutien, il me faut carrément du C4, ça c'est clair. On a d'éclairante, on s'en fout. Par contre, ça oui. Ça je veux bien. Et est-ce que j'ai un lance-roquette ou quelque chose qui pourrait me servir? Voilà, très bien. On est parti. Et on va attendre pendant 850 000 ans. Et ouais. Ça va être génial. C'est une mission qui est chiante, enfin qui est chiante, qui est longue en fait. Back up, back down. Qui va facilement nous prendre un bon quart d'heure, puisqu'elle dure 15 minutes. Boss, your objective is to eliminate as many enemy combat vehicles as you can. For this mission, we're backup for the guerrilla's offensive. That means our mission isn't over until theirs is. Keep an eye on the remaining time. Also, bear in mind that you'll fail a mission if you don't take out a single vehicle. Ouais, ouais. As for payment, the more vehicles, the bigger our paycheck. Et en fait, en principe, là où je me mets, si je me gourre pas, là où je me mets, voilà, ce sera bon, quoi. C'est-à-dire que si je me mets genre ici, c'est bon. Peut-être m'occuper d'eux, par contre. Dans le doute. Vous voyez, ils sont loin. Ils sont loin. Donc on va les attendre. De toute façon, ils sont obligés de passer par là, donc c'est le meilleur point pour tous les avoir. Sans avoir à trop courir. Mais on va se faire chier le temps qu'ils arrivent. Et ça, ça c'est un autre problème, bien malheureusement. Donc on va s'occuper peut-être du camp qui est ici. Analysis complete. Analysis complete. Ah, faut qu'il passe. Ah, faut qu'il traverse ça, ouais, d'accord. Donc, en fait, le mieux c'est d'appeler The Horse. Tu es où? Oh bah d'accord, vas-y, fais des kikoulaleries. Voilà, et on va le mettre là. Pendant ce temps-là, je vais aller vider le... Parce que j'ai pas envie de me les prendre dans le cul. J'ai un rapport de l'Intel team. Les targets sont maintenant sur le move. J'ai envoyé leur route prédicte à votre iDroid. Oui, oui. Toujours la musique pas trop présente, mais présente quand même. Hein. Vous êtes 4. Analysis complete. Et si je fais... Si je fais ça, c'est bon. De toute façon, j'ai le temps avant qu'ils arrivent, hein. Sur une borne. Voilà, parfait. Guard post captured. Parfait. Est-ce que j'ai gagné un nom de code? 700 mètres le plus près, ça va. Je suis bien. Oh, mini-MN, ça c'est très très bien. Des mines pour capturer les véhicules. Même si je peux pas les fultonner. Merde, faut que je prépare le... Que je commence à préparer... La zone. 300 mètres, il se rapproche dangereusement. Ah.
tout va bien se passer. De toute façon, le cheval est en blocus. Great. Now on to the next. Boss, we have information on new targets. Check your iDroid for their predicted route. The map has been updated. Ici, je vais placer ça. Ça peut servir. Je sais pas trop à quoi, mais ça peut servir. Supply drop. You have arrived at your destination. On va choper les munitions de ces quatre. Ils arrivent vite, les petits salauds. He's coming too. Roger that. Par contre, c'est ce qui va nous coûter le plus en... Supplies requested. En PIM. Voilà, 7590 à chaque fois, ça pique. Enfin, cela dit, ce qui n'est pas utilisé et... ce qui n'est pas utilisé nous refait de l'argent, mais quand même. Supply drop complete. Oui, bien sûr. Et pour ce faire, le carton. Ah non, je suis con parce que de toute façon, il y a la mine. Bien pratique ces petites mines. Boss, that prisoner we rescued provided some intel. Ah, c'est cool. We now know the location of a hidden enemy staging area. Check it on your iDroid. Oui, alors c'est ici. You've got other targets closing in. You can check their predicted route. Alors on n'est pas obligé de tous les défoncer. Hein. Peut-être utiliser un peu le lance-roquette pour le coup. Supply drop complete. C'est l'émission la plus passionnante du jeu, ou presque. Ah oui, ils font tout le tour, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'ils passent là. Ah oui, c'est pété pour prendre des embuscades ici aussi. C'est pareil, est-ce que j'ai l'appui feu?
C'est avec l'appui-feu, je pourrais genre faire un tir d'artillerie genre... ici. Pour péter le char qui est dans le... Ça peut se faire. Et celui-là, je me le fais au lance-roquette. Strike will come in shortly. Il va exploser. Voilà. On a récupéré des munitions. Boss need a little extra firepower. We spotted a Soviet weapons transport truck. Apparently its cargo was something pretty powerful. We think. Should we make him share? Tread carefully, boss. Et ça c'est pas mal parce qu'effectivement il a un truc plutôt vénère. Il était tout seul. Le CGM-25 est complètement craqué. Ça fait une tâche en plus. 4 minutes. Bon. Je vais vous montrer ça, c'est rigolo. Check your iDroid for the details. Donc quand vous voulez faire S, en fait le truc c'est d'avoir le full tone pour choper les véhicules et tout simplement d'y aller comme un gros bourrin. Donc je vais quand même vous montrer le... et en fait de courir et de faire en sorte de choper tous les véhicules avec les ballons, avec les full tone directement. Donc alors le CGM-25 en fait c'est ça fait ça. Ça tire plusieurs ogives. Bra! GG easy. Ah, je pourrais essayer de faire les autres. Hein. Elles sont un peu loin, mais... J'ai du C4. J'ai du C4. Il y a moyen. Hein. Yours, où es-tu? Tu es là. Parfait. Il reste deux cibles. Si j'arrive à avoir les deux, c'est bon en fait. Je serai bien. Encore faut-il y arriver. À peu près, pépère. Voilà. Allez, dépêchez-vous. On n'est pas... Enfin, ce qui compte, c'est dans défoncer un. Si les deux autres ne viennent... Enfin, si on n'a pas les 7, c'est pas très très grave. Même si, bon, ça ferait des points, hein. Il y a moyen qu'on réussisse d'ailleurs. Bon toi. C'était très très beau. Je vous le dis. Je vous le dis, c'était beau. Ils arrivent. Oui, c'est bon. Ils arrivent. Tout va bien. Tout va bien.
Allez. Comment ça? J'étais trop loin. Il va exploser. Easy. Exfiltrate the mission area. Alors la zone de mission. Damn it. Soviet reinforcements incoming. Tanks and a gunship. And you're the target. Looks like we pushed the Soviets a little too far. Boss, you and Lico. Soviets are a threat to the guerrillas. You can bet there'd be a bonus in it if you take. Oh, vas-y, on va se le faire. That said, the mission objectives are complete, so you can leave the area if you want. Your choice, boss. Ah, mais il est là le gunship. On va juste se faire l'hélico. Qui n'est pas très loin, donc on va en profiter. Coucou, tu veux voir ma bite? Voilà. Donc ça va être du bonus. Great work, boss. The gunship is down. That should add a little extra to our paycheck. Et oui, en fait, ça peut tirer sur plusieurs cibles en même temps. Je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas du tout. Merde. Supplies requested. Bon. L'hélico. Est-ce qu'il peut venir rapidement? Please support helicopter requested. Il m'a touché quand même. Supply drop complete. Si tu pouvais me recharger le CGM, ce serait génial. Mais j'ai l'impression que ça pue. Ouais, ça pue. Évidemment que ça pue. Ok, je me casse. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Je m'en vais. J'aurais essayé. Mais je crois que les missiles, ils sont pris dans le décor, j'ai l'impression. Y'a pas de problème, Pequod. Y'a pas de souci. Tu vas tirer sur le char? Ah non. J'aurais pu, hein. Ça m'aurait pas trop dérangé, j'ai envie de te dire. Est-ce que moi je peux tirer sur le char? Est-ce qu'il est dans ma... Ah, le cheval! Bon, au moins j'ai eu l'hélico. Ah donc je savais pas que quand on avait eu les 7, il y en avait encore d'autres après. Ça c'est cool. Dans l'hypothèse où on fultonne tous les blindés, en fait, le CGM, il sert juste pour l'hélico. On ne peut pas capturer les hélicos, du coup. On n'est pas dans Peace Walker. Peace Walker. À ce point-là? Bon, ah, parce que j'ai fait un appui-feu. Ah, oui. Oui, mais c'était pour le LOLs. Hein. C'était pour la rigolade. C'était pour genre les mecs... Putain, il va pleuvoir. Bra. Effectivement. The NGO that
Ah, la plateforme zoologique. Choice but to build an animal conservation platform. The NGO said they'll cover all expenses, including the day-to-day housing and feeding costs. Ce qui est cool. If you're interested, take a chopper over and have a look. Ouais, si on va y aller, ça fera une vidéo un peu plus courte que d'habitude, ce qui sera pas plus mal parce que c'est chiant à monter sinon. Boss, if you got time on your hands, come spend it back at the base. Ok. The men will miss you if you're gone too long. D'accord. De toute façon, je reviens là, je crois. Est-ce que mon PIM est négatif? J'aimerais avoir une cinématique. Boss, a certain scientist has contacted us, wanting to defect from the east. His name is Emmerich. That's right. The man we knew is Huey. Eh oui. We suspect he was complicit in the attack on Mother Base 9 years ago. He was working with Cypher. I've waited a long time for this. So I say, let's help Emmerich defect. Once he's here, we can sit down and catch up on old times. Ça me va. Emmerich is currently at Sorak Power Plant. This is our chance. Boss, head for the power plant. Ok, on va y aller. On aura une mission à faire avant. D'abord, je vais vous casser la gueule. Merci. Allez, bougez-vous le cul, là. C'est mou. C'est mou, tout ça. Ta gueule! Est-ce que je t'ai demandé de me parler? Allez, on va se prendre une petite douche. Ouais, c'est ça, romper. Et vos flingues, là, c'est moi qui vais les ranger? Une putain de branleur de merde! Relève-toi! Et toi? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Where are your friends? Thank you, boss. Bâtard. Tiens! Tu te relèves pas? Bon, allez, j'arrête de l'embêter. Et toi? T'as des trucs à me dire? T'as des trucs à me dire? Where are your friends? Sont tes amis? Where are your friends? Where are your friends? Spit it out. Oh oui, dans ta poigne de fer, boss. Peluche! Bon, bah c'est sur cette franche camaraderie qu'on va se quitter là et on se redonne rendez-vous la prochaine fois pour, eh bien, pour faire d'autres choses. Voilà. Des bisous et à plus.